Bien le bonjour les amis, bienvenue pour un nouveau petit tuto, réception TV en camping-car. Alors je vous avais déjà fait la Chromecast, là c'est une clé Android, Lucamper. Alors c'est une clé Android, c'est une Android TV, hein. Alors il y en a un paquet, hein. Vous pouvez avoir une stick de chez Amazon, bon il y en a plein, hein. Vous pouvez en trouver partout sur le net, c'est pas bien cher. Pas onéreux, ça vous permet d'avoir la télé voilà, hein, ça vous permet d'avoir la télé si vous n'avez pas d'antenne, et puis si vous avez du réseau bien sûr. Alors deux solutions, c'est soit vous avez un petit routeur 4G, moi j'ai un petit routeur Lucamper que Ludo ne vend plus parce qu'il a tellement augmenté, il vend plus, mais je crois qu'il va en avoir un autre en vente sur son site. Bon, moi j'ai un petit routeur comme ça. On a un petit forfait à 9,90€ de chez Bouygues Telecom qui passe relativement bien partout en 4G. Et puis l'Android TV Lucamper. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet Android TV? C'est très simple, il y a une télécommande. Je vous montre derrière le téléviseur. C'est très 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 simple. Voilà. Vous avez voilà la clé Android TV avec une petite rallonge pour aller sur l'HDMI, brancher sur HDMI. Il faut que votre téléviseur soit équipé d'un HDMI, hein, ça c'est sûr. Le petit cordon d'alimentation qui se branche ici. Voilà, qui se branche ici. Vous pouvez brancher sur une sortie, moi je l'ai branché sur une sortie USB. Alors attendez, je vais allumer là. Je vais allumer là. Voilà, vous y verrez un petit peu plus clair. Je l'ai branché sur la sortie USB de la télé. J'ai une sortie USB. Autrement, il est fourni avec un petit adaptateur 220 volts. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez un déport infrarouge, hein, pour la télécommande, vu qu'il reste derrière. Voilà. Et c'est tout. Vous branchez ça sur le téléviseur. Alors, bien sûr, il y a un petit paramétrage à faire. Il vous faut une adresse mail. Quand vous allez la brancher, c'est très simple. Je ne vais pas vous montrer ça maintenant parce que moi, elle est déjà paramétrée. Il faudrait que j'efface tout et que je recommence tout. C'est très, très, très simple. C'est très intuitif. Vous suivez les instructions. Adresse email, vous renseignez, vous mettez un code, terminé. Ensuite, il faudra faire reconnaître la Wi-Fi. Donc, si vous avez un petit routeur, bah, il va le trouver tout de suite. Le code de votre routeur, terminé. Si vous faites du partage de connexion avec votre téléphone, c'est pareil. Vous mettez votre téléphone en partage de connexion, il va vous demander, la clé va détecter votre téléphone, il faudra lui rentrer le code, et puis c'est tout. Et après, ça part. Alors après, comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous allez tomber sur une page, vous pouvez télécharger des applications. Je vais éteindre la lumière, vous verrez beaucoup mieux. Désolé, hein. C'est une petite vidéo vite faite. Un petit tuto vite fait que je vous fais là, ça fait longtemps que je dois la faire et puis bah c'est ce soir en pleine semaine que je la fais. Donc vous, voilà, vous tombez là-dessus. Alors naturellement, même si vous chargez Molotov, bon, vous avez France TV bien sûr, il y a YouTube, Spotify, Prime Video, IPTV, vous avez plein d'applications que vous pouvez rajouter également, YouTube Musique, Flash TV. Alors allez, on va lancer Flash TV. Alors Flash TV, bien sûr, si vous passez en version pro, vous aurez bien sûr les chaînes du groupe TF1. Vous savez que les chaînes du groupe TF1 ont bloqué l'accès à toutes ces clés, que ce soit Android TV, que ce soit comment ça s'appelle,
la Stick TV d'Amazon, tout ça, c'est tout bloqué. Donc pour avoir les chaînes du groupe TF1, il faudra passer en version pro, payer quelques euros par mois pour avoir tout ça. Donc là, moi j'ai pas la version pro parce que bon, c'est pas pour ce que je regarde la télé, c'est vraiment pour dépanner. Il y a largement assez de chaînes comme ça. Alors là, allez, on va passer sur qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, on va mettre Arte. Hop, on va mettre Arte, vous lancez Arte. Naturellement. Voilà. Cette musique a pris le rythme de ce doux balancement. L'image est super nette, comme vous pouvez le voir. C'était un paradis de sensualité, voilà, de douceur, de beauté. Sur la télécommande, on peut couper le son, mettre en route. Vous avez un accès directement à YouTube, à Prime Video ou à Google Play. Voilà. Et puis, quelques menus. Voilà. Donc, c'est très très simple d'utilisation, ça marche très très bien. Alors, naturellement, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas la 4G, ça ne fonctionnera pas. C'est clair et net. Ça nécessite quand même avoir un forfait relativement conséquent. Bon, alors moi, je dois avoir 100 et quelques gigas dans cette carte-là. Et au pire, j'ai encore 100 gigas dans mon téléphone. Donc, c'est pas pour ce que je regarde. On n'est pas vraiment des fans de TV avec Fab. Mais ça suffit amplement. Amplement pour regarder la télé de temps en temps en vacances. Ça fonctionne très très bien. Autrement, nous, on a quand même une parabole. Quand c'est dégagé, on utilise la parabole. C'est vraiment quand on est sous les arbres et puis que la parabole ne fonctionne pas. Et ben, ça nous permet de regarder un film ou alors une émission avec la clé si on a de la 4G. Alors bien sûr, si vous êtes dans un endroit où le réseau 4G il passe pas, vous aurez rien du tout, hein. Ça c'est vous pouvez avoir n'importe quelle clé du monde, voilà. Alors il existe des grosses antennes 4G que vous pouvez mettre sur le toit. Alors là, après, c'est pour les gens qui utilisent vraiment qui ont besoin beaucoup de Wi-Fi. Voilà, mais nous, pour le peu qu'on utilise, ça nous suffit amplement. Pour finir, les amis, une petite fonction bien sympathique. Vous pouvez demander plein de choses. Hein, la fonction voix, vous avez une petite touche sur la télécommande, la touche qui est à droite. Vous appuyez dessus et vous posez votre question. Quelle météo fera-t-il sur l'île de Léron ? Voilà. Mardi à l'île de Léron, 23 degrés, voilà, ce week-end, demain, météo l'île de Ré, La Rochelle. Donc voilà, c'est bien sympathique, ça vous permet d'avoir la télé et puis plein d'autres choses. Hein. Je mettrai bien sûr le lien en description sous la vidéo avec la petite flèche. Le lien en direction du site à Ludovic Lucamper, comme ça, ça vous intéresse, vous pourrez acheter cette clé, cet Android TV, et puis l'utiliser, hein, bien sûr. Alors, je dis à chaque fois, hein, y a plein d'autres modes, y a plein d'autres produits, l'Amazon Stick et tout ça, voilà. Hein, nous, pour le peu qu'on regarde la télé, on n'a pas 36 trucs, on a juste ça, une parabole sur le toit qui était avec le véhicule, et c'est tout. Mais pour ceux qui sont intéressés, eh bien voilà, le petit tuto sympathique. Dites-vous bien quand même qu'il vous faut un forfait avec de la data, soit sur votre téléphone, ou soit avec... soit dans une box mobile, hein, un petit routeur 4G, faut l'achat de tout ça, tout ça n'est pas gratuit bien sûr. Voilà les amis, n'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce, de vous abonner, et puis de laisser un petit commentaire, c'est super sympa, et puis au prochain petit tuto, ciao, bye bye.